c'est venu par le fait que nous avons trouvé que cette aventure des flotteurs, c'était quelque chose de très intéressant. Ça fait partie de notre patrimoine, de notre histoire. Et c'était très méconnu. Donc on s'est dit, la meilleure manière de le faire connaître, c'est encore d'essayer de le reconstituer parce que ça va faire quelque chose d'extrêmement spectaculaire. C'est montrer qu'est-ce qu'était cette tradition, comment les flotteurs arrivaient à transporter 200 stères de bois pendant aussi longtemps et avec des quantités de trains de bois qui au début du 19e siècle étaient absolument impressionnantes puisqu'il faut savoir qu'ici arrivaient 5000 trains comme cela chaque année, c'est-à-dire 1 million de stères de bois. Là, ça représente vraiment la région du Morvan, la Nièvre, Lyon, avec les voies navigables. Et voilà, c'est une forme d'hommage à l'activité de la région qui est quand même en déclin actuellement.